L'Ariane en autoradio est composée de deux prises. Une première prise, celle du bas, pour l'alimentation. Une deuxième prise, celle du haut, pour le raccordement des haut-parleurs. Concrètement, ces deux prises se présentent comme ça. Alors, habituellement, celle de l'alimentation est noire, et celle des haut-parleurs est plutôt de couleur marron. Voilà, ici, nous n'avons pas de distinction de couleur, une distinction au niveau du détrompeur, puisque comme vous le voyez, le détrompeur est en bordure de prise pour l'alimentation et au milieu de la prise pour les haut-parleurs. Le raccordement s'effectue de la manière suivante. Donc, un fil rouge qui correspond au plus après contact, un fil noir qui correspond à la masse, un fil bleu qui est celui dédié à l'antenne, un fil orange qui doit être raccordé sur l'alimentation lorsque les phares sont allumés, et un fil jaune qui est le plus permanent pour maintenir la mémoire. Sur cette autoradio, nous n'avons pas de fil d'illumination. Ensuite, la prise marron, donc qui est la prise de raccordement des haut-parleurs, avec en vert le haut-parleur arrière gauche, plus et moins, en blanc le haut-parleur avant gauche, plus et moins, en gris le haut-parleur avant droit, plus et moins, et en violet le haut-parleur arrière droit, plus et moins également. On retrouve ces différents câbles de différentes couleurs ici, et on identifie donc le plus et le moins. Je ne sais pas si on va le voir là sur la vidéo. Le moins a un liseré noir. Ici, le vert a liseré noir. On le verra mieux sur le blanc. Voilà. Le blanc a liseré noir qui est le moins, et le blanc sans liseré qui est le plus. Je vous fais petit affichage. Je suis désolé pour l'ombre. Petit affichage des raccordements. Le dispositif qui permet d'obtenir un plus après contact est assez simple. Il s'agit d'une prise porte-fusible qui est un montage simple en dérivation. Vous identifiez sur le porte-fusible de votre véhicule un fusible qui se trouve sur un circuit d'un plus après contact. À la place de ce fusible, vous venez brancher cette prise. Le fusible déposé, vous venez le brancher sur les deux cosses inférieures. Puis sur les cosses supérieures, vous connectez le fusible qui sera sur le circuit de votre plus après contact. Et au bout de ce fil rouge, vous avez votre plus après contact. Donc un système très simple qui permet d'obtenir un plus après contact de manière tout à fait sécure et propre. Pour identifier les fusibles qui sont des fusibles de plus après contact, il suffit de se référer à ce à quoi ils servent. Le fusible de warning, typiquement les warnings marchent sans contact lorsque vous êtes en panne, donc ce n'est pas un plus après contact. Le fusible de clignotant, tout à fait possible que ce soit un fusible après contact. Nous avons ici également un fusible qui se nomme Servizi, qui peut être un fusible après contact. Il faut donc tester avec un multimètre. Vous mettez le moins sur la masse du véhicule, de votre multimètre, et avec le plus, vous allez chercher à une des deux bornes. Si vous avez 12,50 V sans contact, c'est qu'il ne s'agit pas d'un plus après contact. Si vous avez 0 et que vous montez à 12,5 ou 13, une fois le contact mis, vous avez enfin identifié un plus après contact. Donc là, on a débranché le fusible noté Servizi, service en français. On y a branché notre pont de raccord. On a débranché également le fusible des clignotants. Donc le branchement est le suivant. Le fusible d'origine est fixé en bas. Le fusible du plus après contact au-dessus.
Nous venons donc fixer notre dispositif. Donc pour finir, on vérifie bien que notre branchement fonctionne et qu'on est bien sur un plus après contact. Le fil plus qui a été raccordé sur le tableau des fusibles est connecté au multimètre. La masse est connectée également au multimètre. On met le contact et là on voit tout de suite qu'on a une tension qui s'arrête dès qu'on coupe le contact. Donc pour le branchement de l'autoradio, nous avons au niveau de l'alimentation la masse, un plus après contact, et la repiquée sur l'allume-cigare, un plus après phare. Viennent également se mettre au niveau de l'audio, un plus et un moins pour le haut-parleur avant droit, et un plus et un moins pour le haut-parleur avant gauche. Donc les connexions autoradio sont faites. Ici la connexion d'alimentation avec un plus permanent, le plus après contact, le fil noir à la masse et le fil bleu que je n'ai pas raccordé mais qui est le fil d'antenne. L'autre prise, ce sont les haut-parleurs. Donc les deux fils verts de haut-parleur qui concernent le haut-parleur avant droit, les deux fils blancs, le haut-parleur avant gauche, et puis les quatre autres fils qui concernaient les deux haut-parleurs arrière ne sont pas raccordés puisqu'il n'y en aura pas sur cette voiture. L'autoradio est connecté. Voilà, il s'allume et il fonctionne correctement.